Voilà une vidéo en science sur les chaînes et les réseaux alimentaires. Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire? Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le précède. La flèche veut dire « est mangé par ». Dans cet exemple, l'herbe est mangée par le papillon est mangé par la chauve-souris est mangée par la chouette. De manière générale, il y a donc un végétal, puis un consommateur végétarien, qui est mangé par un consommateur carnivore, qui est le premier, puis un autre consommateur carnivore, qui est donc le deuxième, et enfin, parfois, un super prédateur. Qu'est-ce qu'un réseau alimentaire? Chaque être vivant peut appartenir à plusieurs chaînes alimentaires. On parle de réseau alimentaire. Si je prends ici l'escargot, il appartient à plusieurs chaînes alimentaires. Il suffit qu'un maillon de la chaîne disparaisse pour que toute la chaîne soit complètement perturbée ou même anéantie. On dit qu'il y a interdépendance des êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin des uns et des autres pour vivre. Maintenant, c'est à toi de jouer.